Il existe plus de 500 espèces de raies. Mais voici la reine incontestée, la raie manta. Elle fend l'eau avec une grâce incroyable. Les lobes situés de chaque côté de sa tête canalisent l'eau riche en plancton jusqu'à sa bouche. L'eau est ensuite filtrée par les branchies. Les raies manta ne possèdent pas de dards. Avec leurs 6,50 m d'envergure et leurs 2 tonnes, elles n'en ont pas besoin. Les raies manta peuvent parcourir de grandes distances pour rejoindre leurs aires d'alimentation saisonnière. Et comme les stars de cinéma, elles débarquent toujours avec leur suite. Les rémoras s'agrippent aux raies avec leurs ventouses. Ils bénéficient du transport et des repas gratuits. Les jeunes poissons profitent du sillage de la raie manta pour parcourir plus facilement les océans. Ces géantes des profondeurs peuvent atteindre l'âge de 25 ans, si on les laisse tranquilles. Elles sont parfois chassées pour leurs branchies, leur foie ou encore leurs nageoires. Mais même les raies manta s'effacent devant ce léviathan des mers. Avec ses 9 mètres de long et ses 18 tonnes, le requin-baleine est le plus gros poisson au monde. Il filtre sa nourriture en nageant, gueule ouverte, dans les eaux riches en plancton. L'eau s'y engouffre chargée d'aliments et en ressort vidée de nutriments. Une fois qu'il a trouvé une zone riche en crevettes ou en œufs de poisson, il reste sur place jusqu'à ce qu'il ait tout nettoyé.